Do you fear the modern world? Bonjour, tout le monde. Et oui, je porte le t-shirt de Radio Arderine. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez l'acheter aussi. Alors, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de promotion. Je ne chronique que les albums que j'ai achetés. C'est clair Il semblerait que malgré mes messages, le label Gentle Art of Music n'ait pas reçu l'information. Et en fait, tant mieux. Sinon, je n'aurais pas entre les mains control du groupe Violent Jasper. Si vous connaissez les Allemands de Sylvan, vous connaissez probablement leur claviériste Volker et leur guitariste Johnny. Ce sont ces deux artistes qui se cachent derrière le projet Violent Jasper. Avec eux, il y a Marco coeur et surtout Caroline von Brunken au chant. Pour autant, Valen Jasper ne ressemble pas vraiment à du Sylvan, même si le duo raconte également des histoires. Ici, Control pose la question de savoir si ce sont les émotions qui nous gouvernent ou bien l'inverse. Et pour répondre à cette question, le groupe nous livre dix morceaux de trois à six minutes pour plus de trois quarts d'heure de musique. Ce qui est clair, c'est que les mélodies proposées ici délivrent d'incroyables émotions qui ont eu raison de ma raison. Control est capable de beaucoup de douceur mais également de violence comme dans Desire, sans doute le titre le plus fort de l'album. Alors oui, je l'avoue, j'ai été subjugué par la voix de Caroline comme par les mélodies construites autour du piano, les instruments à cordes, le hautbois et les sublimes solos de guitare signés Johnny Beck. J'aime beaucoup ces petits détails glissés dans la partition, comme la guitare façon moteur vombissant dans Control ou bien les touches de trip-hop de Breathe. Je suis également tombé amoureux de la voix de Caroline, délicieusement médium, douce, fragile et rageuse à la fois, au feeling quasi gospel, au timbre légèrement granuleux qui, associé à la voix de Marco, donne un alliage unique et fabuleux. Un de mes titres préférés, s'il ne fallait en retenir qu'un seul, s'intitule Healthy Monkey. Il me fait songer à du Kate Bush façon Frequency Drift, joué au piano et aux cordes. Bref, que du bonheur. Par contre, j'ai trouvé l'artwork assez rebutant avec ce portrait quelconque en contre-jour sur lequel Control est barbouillé en blanc. Les quelques illustrations naïves qui figurent dans le livret ne cadrent pas vraiment avec la pochette et le choix des couleurs brunes ne donne guère envie de se plonger dans les textes. N'empêche, Control se glisse mine de rien dans mon top 2023 et risque de bousculer plusieurs albums sur le podium. Alors dès qu'il sortira le 27 octobre, allez l'écouter, surtout si vous appréciez le groupe Sylvan. N'oubliez pas, je ne chronique pas de promotion. Bon, si vous m'envoyez des merveilles de cette qualité, ok, il se peut que je fasse une entorse à mon règlement. Allez, bonne semaine à tous et à toutes. À lundi prochain pour une nouvelle découverte. Bisous!